Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bon, comme vous pouvez voir, je suis tout bronzé. Je reviens seulement de vacances. Je suis revenu de Djerba hier soir. Donc autant vous dire qu'on bégaye pas. À peine rentré en France, on continue les food challenges. Bon, pour ce soir, je me rends à Burger & Shake au 32 rue Gabriel Péga à Saint-Denis. C'est un restaurant que j'avais déjà été il y a maintenant 2 mois avec mon poteau Kevin Line Off. Allez suivre sur Instagram sa page Insta. C'est un breakdancer et lui il va souvent dans ce restaurant là. Il m'avait conseillé de le faire. Franchement, bon, on en a kiffé. Moi, pour ma part, j'avais fait le défi Superman. C'était un burger à 6 steaks avec cheddar, poitrine fumée, salade tomate, pickles, le pain coloré en mode rouge, vert, jaune, noir. Bref, il y avait du choix. Je m'étais régalé. J'avais aussi kiffé leur décor. Décor en mode bande dessinée, comics. Bref, toute leur carte est à l'effigie des bandes dessinées et des comics. Le Captain America, le Hulk, bref. Voilà. Donc cette fois, j'y retourne parce qu'il y avait tellement de choix que je m'étais dit, manger 2 burgers à 6 steaks, c'était bien. Mais je voulais y retourner pour manger autre chose. Genre leur starter américaine, les viandes de le steakhouse, les bavettes, pourquoi pas le salade américaine, les hot dogs. Bon, il y a pas mal de choix. Donc cette fois, j'y retourne. Un second défi. Cette fois, je vais prendre plusieurs plats. Non pas seulement un burger à 6 steaks, mais peut-être un petit burger, un hot dog, une autre côte. Je sais pas ce qu'il y a. On verra la carte et je vais prendre plusieurs choses. 5-6 choses, j'espère. On verra bien. Donc voilà. On bégaye pas, comme je vous l'ai dit. Direction le Burger & Shake avec mon pote Kevin. Il y avait avec moi aussi, lui, pour manger d'autres choses. On verra bien. Lui aussi, il avait kiffé, donc on y retourne à deux. Bon, j'espère que cette fois, il sera à la hauteur. On va bien manger, on va se régaler. Alors, à votre avis, vais-je assumer tout ce que je lui ai commandé? Je sais pas. J'avoue, il fait super chaud. Je suis pas en diète, même si j'ai pris du poids en vacances. Mais je m'en fous, on bégaye pas. C'est parti, défi Burger & Shake, plusieurs plats, let's go! Bon, ça y est, je viens de me garer. Maintenant, direction Burger & Shake. Bonjour, mon pote Kevin. C'est parti. Let's go! Bon, de retour, le chef m'a apporté la carte en tant que poteau. J'ai fait la blague. Bon, ce soir ça va être 4 Superman. Il a fait des yeux comme 4 Superman. Mais c'est 4 fois 6 steaks. Non, c'est une blague. 2 c'était déjà franchement bien. 2 c'est balèze. 3, 1, 4. Non, faut pas abuser. Bon, on rappelle un Superman, c'est ça. Le Superman. Voilà ce que j'ai mangé il y a 2 mois. 2 comme ça. Un pain rouge, un pain vert. En vrai, c'était balèze. Grave balèze. On va taper 3. Et bon, comme on a mangé avant la salade, les bulles aussi, donc on va pas exagérer. Là pour ce soir, que vais-je prendre? Franchement, il y a grave du choix. Entre les burgers, les hot dogs, les starters, les salades. Non, c'est breakfast, c'est le dessert, on s'en fout. Il y a aussi des bagels. Ah, il n'y a pas de viande. C'est lourd. Bon, c'est pas mon choix et je vous dis ça. Bon, la fin est arrivée. Le futur youtubeur, future vidéo danse, drôle. Ne vous inquiétez pas, dès qu'il y aura sa page, sa chaîne, vous mettrez tout en barre d'infos. Il y aura du bon qui va arriver. Ça va venir. Bon, là ce soir, on va faire un petit défi. J'ai fait la blague au pistolet. Vidéo, ce soir, je prends 4 Superman. 4 Superman. Il a fait un, hein. Il a bugué, tu vois. Mais c'est impossible, c'est impossible. Ça serait possible. Bon, alors, franchement, je sais pas quoi prendre. Il y a trop de choix. Ça va être une dégustation. Bon, on verra bien. Bon, ça y est, c'est choisi. Il y a eu un peu d'attente. Il y a pas mal de plats en rupture, mais bon, c'est pas grave. On a pris ce qu'il y avait. On va commencer avec un petit mojito pastèque. Oui. Donc, on voit, petit trait de pastèque, mojito vert aux gazeuses. Voilà, c'est l'apéro, on va dire. Ensuite, pour ma part, j'ai pris sorte de chicken balls, mais comme il n'y a plus de chicken balls, j'ai pris des tenders poulet. Bon, ça ressemble à ça. Voilà, donc premier plat. Deuxième plat, j'ai pris, je cherche le spawn, le pain rouge, un hachis de bœuf fraîche, œuf à cheval, poitrine fumée, crispy oignon, cheddar, salade, steak salade, en version double, donc 2 steaks. C'est des steaks de 180 grammes, je rappelle. Un hot dog de Bumblebee. Saucisse et filochute de bœuf mariné et mental sauce barbecue. Voilà. Quatrième plat, j'ai pris le Iron Man avec un pain vert, viande hachée de bœuf fraîche, cheddar, poitrine fumée, oignon rissolé, salade et sauce barbecue en version double encore.
donc 2 x 180 grammes de viande. Donc là j'ai déjà fait vers 2 x 2, donc on va pas le refaire. Bagel, ça ne disait rien. Ensuite pour le steak, alors, j'ai pris un bif caballo, donc 2 pièces de viande hachée, 200 grammes, le steak haché quoi. Œuf à cheval et poitrine fumée. Je voulais prendre le steak manager, malheureusement il n'y en a plus, c'est pas grave, on va prendre le cut killer. Faux filet, 50 grammes, découpé américaine. Donc voilà pour les 6 plats. Donc je rappelle, le cut killer, le bif caballo, le Iron Man, le Bumblebee, le Spawn et les tenders poulet. Voilà. Et pour Kevin, lui il a pris pareil que moi en entrée, les tenders poulet, donc chicken balls. Ouais, enfin, pareil, c'est un grand mot. Ah bon? Pareil, bah si, c'est la même convention. Tenders poulet. Après, il n'a pas pris 6 plats, hein, il en a pris 2, donc ça. Ainsi que le, tu m'as dit. Captain America, c'est juste avant. Captain America, c'est celui-là. Est juste okay. Là. En une viande. En une viande, petit joueur. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Tu fais ramadan ou c'est comment? Je jeûne aujourd'hui, j'ai jeûné, ouais. Bah, pourquoi tu jeûnes? Parce que j'en ai besoin pour le corps. Besoin? Ça détoxifie le corps. T'es sûr? Ouais. Pourtant t'es bien, t'es sec, svelte, musclé. Ouais, 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 mais. T'as besoin de ça? Non. Ah, moi je pourrais pas, franchement. Non. Donc Captain America, un steak de bœuf haché, cheddar, oignon frais, pickles, salade, ketchup, moutarde américaine. Ou des frites. Un classique, des frites. Mais franchement, il a l'air pas mal celui-là. Bon. Tu as pas encore pain rouge, pain vert? Pain rouge, et s'il a pas, pain vert. Ok. Donc je vous rappelle hein, les colorants là, rouge, vert, noir, ça apporte pas de goût, hein. C'est juste le côté visuel, esthétique, c'est sympa. Bon allez, on a plus qu'à attendre maintenant, ça va être long je suppose. Avec 6 plats pour moi et 2 pour Kevin, on va attendre longtemps. 6-2. 6-2, c'est pas la remontada là, c'est la remontada version burger. Ah ouais. Regarde-moi ce décor, magnifique. Grave stylé. Street art. Les mises en place. Et moi, en plus, c'est des desserts magnifiques. Wow. La boisson, ginger ale et tout. Bowie Line, si vous connaissez. Ouais, le frais, il tombe bien celui-là, le fruit rouge. Sous les steaks, bon, il y a beaucoup, hein, forcément, ce que j'ai pris. Le pain là-bas, en pré-cuisson, au toaster, pain vert, pain. Il n'y a pas de pain rouge, rupture, ni noir. Du coup, on a pris pain normal, le jaune et le vert. Voilà, c'est archi clean et cuisine, ça va bien. Cuisine ouverte en plus. Donc, ça apporte un style, cuisine ouverte américaine. Pour les clients. Voilà. Bon, j'attends maintenant. Bon, ça y est, c'est enfin arrivé. Regardez-moi ça. 6 plats. Donc on commence d'abord avec le petit mojito pastèque, sympathique. Les tenders poulet mariné piscajin en 6, balèze hein. Costaud. Kevin pareil, une petite salade, mode diète. C'est ça toujours. Le petit burger Iron Man, en 2 steaks finalement. Sans tromper, donc voilà. Donc là je disais tenders poulet et piscajin. Le spawn avec le pain vert, donc double steak, bacon, enfin poitrine fumée, cheddar, l'œuf. Franchement, il est balèze, costaud. Celui-là, c'est le Iron Man. Pareil, 2 steaks, cheddar, oignon rissolé, le bacon en pain classique, au pavot, graines de sésame. Ici, on a le bif caballo. 2 steaks hachés, le bacon fumé, l'œuf au plat par-dessus. Un petit truc entre les deux. Coleslaw, bon, ça, on s'en fout, c'est trop light pour moi. Le hot dog, double B. Donc voilà, saucisse fumée, effiloché de bœuf, sauce barbecue, ketchup, moutarde, un pain brioché. Et enfin, l'entrecôte, le cut killer, 250 g d'entrecôte, persillé à souhait. Voilà, on va se mettre bien, 6 plats. Et si j'ai encore faim, hein, on prendra. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Thank you.
c'est parti, je commence par toi. Tu fais le choix là. Bon. Bon, c'est un petit tenders poulet. Avec la sauce barbecue. Moutarde. On va mettre ça là. Grave bon. Ouais. Super bon. On prend les épices, une graine de cumin, de sésame, épices cajun. Et vraiment ce poulet. Bon poulet. Ah, j'aime bien avec les épices, les graines. Et des graines et tout. Non, j'ai une main. Ouais. J'ai un bras avec une main, ça sert la main. Grave, on dirait il a une graine dans sa main. Je te mange la main gauche du coup. Ça croustille. Ça c'est bien frit. Hein. Pour que c'est cuit. Bon, il n'y a pas que c'est pas cuit. Voilà. Bon. Le petit Morito pastèque. Original, j'ai jamais vu ça. Je connaissais Morito fraise, passion, mangue, mais pastèque. Avec plein de mangue, plein de citron vert. L'hot dog. Ça fait un pro. Pas mal, franchement le goût, pas mal, le pain reste classique, mais les piochés de bœuf par-dessus la saucisse, nickel. Bon, comme il va refroidir plutôt vite, je le mange direct celui-là, sûrement je mange un tiède du chaud. Ah oui, j'ai la tête. Bon, j'avoue, le dog en 6-7 bouchées, disparu. Bizarre. C'est pas mal quand même. Trois burgers. T'as vu? Balèze, hein. Mais bon, là, il y a un Superman. J'ai lu ça la première fois, j'ai pris deux Superman. Donc deux fois 6 steaks. Il y a deux steaks. J'ai un Superman à rassembler, on va dire. Plus ça. Plus le troco, plus l'autre dog, plus un pain supplémentaire. Moi j'ai varié un peu la carte. Salade, on a dû goûter la première fois. C'était pas mal. Là c'est ça, j'ai du poulet frit. Bagels. Je suis pas trop ça trop américain, genre poulet rôti ou saumon fumé. C'est sympa mais ça ne me disait rien. Il y a les menus enfants. Par contre, un dessert américain là, cheese cake, tout ça et tout. Wow. Ça me dit bien. Je sais pas toi, moi j'avais faim. Il est 11h10, je mange pas. Moi je me mets de côté. T'es qui où t'es caché là? Le cut killer. Avec l'œuf, on voit rien avec les burgers. Voilà. Got it locked, boy.
Bon, après le hot dog, la bubble bee, je sais pas quoi, là. J'ai fini un petit boucher. Beef caballo validé. En gros, c'est comme un burger en version double de steak haché avec l'œuf et le bacon, sauf qu'il n'y a pas de pain. Donc, souvent, c'est un burger sans pain et sans fromage aussi. Après, c'est comme vous voulez, hein. On peut rajouter des suppléments. Donc, top, hein, rien à dire. Surtout le goût de la viande qui fait la différence. Ça dépend de la cuisson, la viande a un goût différent. Voilà, c'est pas la viande de pas de gamme, on va dire. Ma fière et tenders, pas trois plats. Et les burgers, regarde beaucoup dessus. Ardoise, sympa. Tenders validé. Ça, c'est d'abord un peu route. Tenders, c'était bon. Hein. Ouais. T'as goûté ton burger ou pas? Ouais, j'ai goûté ça. Mais c'est bon, la viande? La viande est bonne. Hein. Il a respecté la cuisson? Ouais, il me semble. T'as demandé quoi? Moi, j'ai demandé à pointer. Bon, on passe une grosse pièce de viande là. Le cut killer. Cut killer. C'est pas un petit chest, un cut killer? Forcément, j'ai pas un truc qui va avec, mais c'est pas grave. Bon, le cut killer entre côtes là, elle aussi validée, très bonne. Quatrième plat, après on passe au burger. On va commencer par le normal, le Iron Man. Comment mange ça, moi? C'est galère à manger ça. C'est trop gros. Là, le pain il est énorme. Il est hyper épais. Je viens de me baisser tellement que il y a de la place sur la table. Elle est chaude de boucher. Franchement, leur pain il est bon. Il est toasté, donc il est croustillant autour, moelleux à l'intérieur. La viande a un bon petit goût. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme viande. Peut-être que c'est une race spéciale, la charolaise ou quoi, mais en tout cas elle est fraîche. On la voit en cuisson là-bas. C'est plaisir. C'est pas du tout gelé, bas de gamme ou quoi. Là, c'est franchement, c'est des gros steaks en plus. Hein. Des gros steaks bien épais. Ça cale, hein. Mais comment je mange ça, moi? Bon, cinquième plat, le Iron Man, aussi validé. Par contre, j'avais raison, ça cale. La viande est épaisse, le pain pareil. Là, j'ai le même, mais la version Spawn. Il y a un œuf en plus. Et cheddar en plus. Enfin, encore en plus. Quoi. Il y avait cheddar, rien encore. Tout ça,
œuf au plat, sauce différente. Et sinon pareil, bacon, de viande. Ça va être chaud, bref. Moi, je pense que c'est ça blinde, hein. J'avoue, les steaks sont pas les deux. C'est pas les steaks tout plats de McDo ou de Burger King. Hein. C'est des. C'est 80 grammes. Peu de sauce. Allez, un micro. Bonne sauce. Bon, pour fêter la réussite du défi des 6 plats, toi les deux gros burgers à deux steaks là, c'était balèze, ainsi que la réussite de Kevin, il a réussi à manger la salade, les tenders, le burger, les frites, le petit burrito pastèque. Pour la peine, on va fêter la victoire avec une danse, celle-ci. Ceux qui ont connu, dites-moi comment dire c'est quoi. Un indice, ça apparaît dans un jeu, je dirais pas lequel. Et puis la première danse, c'est une mode qui est eu récemment, tout le monde a repris. Ça s'appelle le Floss Challenge, avec la musique boom là. Boom, 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 boom. C'est ça. Petit dessert? Moi non, ça va aller. Je sais pas. On va voir. Bon, finalement pas de dessert parce que on a pris le temps en fait de discuter et c'était vite réfrigéré, donc tout rangé. Du coup, trop tard, il est minuit, le restaurant ferme malheureusement, donc pas de dessert, pas grave. Enfin, un dessert plus tard chez moi ou ailleurs, je sais pas. Un truc bien frais là avec une glace, un milkshake, pourquoi pas, dans une crêperie, ça pourrait être sympa. En tout cas, deuxième défi ici à Burger & Shake à Saint-Denis. Franchement, encore un régal, une tuerie. Je vous ai montré tous les plats de la carte quasiment. J'ai testé 6 plats différents, 2 burgers, un hot dog, une entrecôte, enfin un faux filet pardon, une sorte de plat qui était caché dessus, ainsi que les fritures, tenders. Donc franchement, j'ai pris un peu de tout. À chaque fois, je me suis régalé, rien à dire. Donc voilà, je l'ai testé, c'est de la région parisienne. Hein. Venez goûter la différence. Franchement, moi je kiffe. Voilà. Donc, défi réussi. Mister Kevin, je sais pas ce qu'il fait, peut-être en mode digestion. On va y aller. Sur ce, les amis, mettez-moi un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez un maximum. Allez également liker la page Facebook du Burger & Shake à Saint-Denis. Instagram aussi, voilà. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Snapchat si vous voulez tout voir de nos aventures. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao.